Concernant les dates de plantation, oui, il y a quelques éléments là. Là, c'est intéressant. On a parlé avant de la taille des arbres, la gestion des boisements, des arbres libres aussi. Pour la réflexion, quand avons-nous le meilleur moment pour planter des arbres? Il y a une chose qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que les racines ne fonctionnent pas dans les mêmes rythmes, de la même manière que les pousses aériennes. Ici, c'est une courbe en allemand, mais facile à comprendre. Ça, c'est la courbe de croissance. Ça part d'avril, mai, juin, juillet jusqu'en novembre. Mai, juin, c'est la pousse en longueur, la pousse maximale, la pousse principale, la tige axiale. C'est donc entre mai et juillet. Le cambium lui-même, il fonctionne de manière beaucoup plus étalée. Il a un premier pic, c'est tout au début de la croissance de la pousse principale. C'est lorsque vous avez la formation de bois initial, cette formation de bois relativement spongieux qui va être capable d'amener l'eau rapidement dans la couronne. C'est formé avec ce cambium actif. Mais il y a un deuxième pic d'activité du cambium lorsque la tige principale a fini de pousser en longueur. C'est le début de la croissance en épaisseur. Vous avez deux phases. D'abord, ça pousse en longueur, mais souvent les tiges sont encore molles. On se demande, quand je voyais à l'époque les jeunes épicéas qui venaient de faire leur grande tige, je me demandais, mais ça va mal finir, ils sont complètement mous, ils se balancent d'un bout à l'autre, ces tiges axiales. Je me demandais, mais comment ça allait pouvoir donner vraiment un axe solide? Et brusquement, ces axes se remettent debout et sont parfaitement verticaux et durs et rigidifiés. Ils se lignifient et cette lignification a lieu un peu plus tard. Elle commence déjà avant, mais la formation de bois final, structurel, a lieu au niveau du cambium plus tard. Et là, vous avez le durcissement des tiges qui va jusqu'en juillet, août. Et ça peut aller jusqu'en octobre que le cambium reste actif face encore du bois final. Et ensuite, vous avez donc ces structures de cernes en zone initiale claire et en zone finale foncée. Et le début a eu lieu, ça a démarré à la mi-avril, et ça s'est terminé peut-être à la mi-septembre ou en octobre. Et entre deux, vous avez ce passage du bois initial au bois final, comme on les appelle. Ça, c'est pour la tige, pour la pousse principale, le cambium, les aiguilles. Ça concerne le pin strobus, le pin vémout. Les aiguilles se forment, les nouvelles aiguilles se forment ici, presque en même temps que la pousse principale. Mais il y a les anciennes qui sont encore là. Elles se forment relativement longtemps, jusqu'en août, après que la pousse principale ait terminé sa croissance. Ça continue de se développer. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est les racines. Les racines commencent relativement lentement à pousser en avril-mai, mais vous avez, après que le cambium ait pratiquement terminé sa croissance, vous avez encore de l'accroissement racinaire en septembre, octobre, novembre, et selon les hivers, il y a même le pont qui se fait jusqu'au printemps suivant. Les racines peuvent théoriquement pousser pendant beaucoup de mois. Oui. Oui, oui. L'activité plus précoce. Oui. Exactement. Oui. La phénologie est modifiée. À la fois, les arbres qui sont maintenant sur pied commencent plus tôt, finissent souvent plus tard. On a un décalage des saisons. Bon, maintenant, on a observé aussi des saisons complètement particulières, comme cette année. On peut se demander chaque année qu'est-ce qui était particulier cette année. Cette année, jamais eu un janvier aussi chaud que ça, malgré les pluies et les tempêtes. Au courant de l'été passé, qu'est-ce qui était particulier? La sécheresse énorme, exactement. C'était dans le sud de la France, où il y avait des boisements entiers qui étaient perturbés à cause de ça. Et donc il y a cette irrégularité, cette sécheresse et ces problèmes, encore une fois, sont plus faciles à surmonter pour des forêts bien fermées, bien protégées. Donc ici, pour les racines, on a
quand même un moment d'activité intéressante en fin de saison. Et là, c'est intéressant de profiter de cette activité. Vous plantez vos arbres à l'automne. Je ne sais pas comment vous avez toujours pratiqué. Quand vous aviez le temps, pas n'importe quand, mais... Vous utilisez la période hivernale pour là où il y a le moins de travail. Mais effectivement, en novembre, et ça serait intéressant d'observer ce qui a été planté en novembre comparativement à ce qui a été planté en mars. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le faire, mais c'est le genre de choses qu'il faudrait avoir des étudiants, des écoliers qui viennent photographier et faire des mesures. Ça serait... Il y a tellement d'essais et de questions. Donc en tout cas, pour ce qu'on plante de manière précoce, peut profiter encore, peut continuer de déjà s'enraciner en hiver et ensuite en été. Ça dépend desquels. C'est connu pour le chêne, par exemple. Quand ils sont jeunes, ils gardent les feuilles très longtemps, mais les feuilles, elles sont mortes, elles sont desséchées. Il n'y a pas la chute des feuilles. Mais vous pensez à d'autres essences? Les feuilles vertes actives encore. Oui. Oui, d'accord, mais... parce qu'elles ne sont pas encore tombées. Ah oui, en principe, il faudrait quand même attendre ce moment-là, ça c'est juste. Oui. Ça fait des différences aussi. Donc en principe, c'est mieux de planter quand les feuilles ont été larguées, parce que là, il y a eu la translocation de réserves. La tige est riche en réserves, donc ces réserves vont profiter à la plantation, au succès de la plantation, si on a des tiges déjà à moitié qui n'ont pas tout leur potentiel. Et il y a quand même un choc de plantation, vous déracinez, vous le placez ailleurs. S'il y a des feuilles vertes qui transpirent peut-être encore parce qu'on l'a fait trop tôt, donc là, il n'y a plus de la connexion pour amener de l'eau et permettre cette transpiration. Donc ça, c'est vraiment mieux d'avoir des feuilles qui ne transpirent, qui ne sont plus fonctionnelles. La raison principale qu'on peut planter à l'hiver, c'est surtout parler du temps, mais je pense que c'est plus parce qu'on sait qu'il n'y a pas de risque que l'arbre dépérisse par la sécheresse. Il y a ça exactement, oui, tout simplement ça. C'est une première raison. Il y a toujours des blessures au niveau, ça dépend des techniques, des blessures au niveau des racines, les champignons sont moins actifs, tout ça c'est un peu au ralenti. Donc il peut y avoir, puisque les racines restent encore un peu actives, peuvent se cicatriser, peuvent déjà faire quelque chose pour se protéger de petites blessures. C'est vrai que c'est saison hivernale. Et en principe, chez nous en Europe, c'est vraiment les sols les plus humides pendant l'hiver, ça c'est juste. Hein. Donc les sécheresses arriveront beaucoup plus tard. C'est vrai que c'est plus simple de planter fin novembre, par exemple, le sol n'est pas encore engorgé en eau. Oui. Alors qu'au mois de février-mars, ça peut être complètement... Voilà, et le travail est désagréable et beaucoup plus lourd si vous devez le faire à la main, ça c'est juste. Et il ne faut pas que ce soit trop compacté, que ces racines soient étouffées, disons, dans une masse. Si c'est glaise, si c'est argileux, ça peut être difficile. Alors, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être. C'est le système à la française, comme on les admire de partout. Une invention géniale. Mais c'est pour rétablir le contact avec le reste de la population. Je pense que dans le futur, ce sera intéressant qu'il y ait beaucoup plus de contacts entre les écoles et les agriculteurs, les paysans, les agroforestiers. Et là, c'est vraiment un moyen de mettre en contact, par exemple, les enfants avec ceux qui leur fournissent de la nourriture. C'est donc la célèbre méthode d'Emmanuel Roland. C'est absolument génial, je trouve, parce que... Il montre comme une plaie de la civilisation actuelle, les bouteilles de PET qui font un continent pas toute seule dans le Pacifique, qui bloquent les systèmes d'évacuation d'eau dans les bidonvilles du Brésil. Ces bouteilles de PET peuvent être transformées en bénédiction pour la fertilité et pour le reverdissement des paysages. Il a... développer un système, vous prenez une bouteille de PET, vous la coupez en deux au tiers de la hauteur, vous enlevez le bouchon, vous mettez quelque chose pour colmater, du papier, quelque chose qui est hydrophile, du coton, ou
de la laine de bois ou de la mousse, simplement. Vous retournez la bouteille, vous la remplissez de terre. Pour l'enfoncer dans la partie inférieure, pour enfoncer la partie supérieure dans la partie inférieure, il faut la plier un peu, faire une rigole longitudinale, un petit repli longitudinal, parce qu'il faut qu'un diamètre aille dans l'autre. Et là, c'est aussi un truc intéressant, parce que le long de cette ligne, de cette faille longitudinale, on peut arroser. Donc on arrose par ici, on arrose seulement le bois, on n'arrose jamais en haut, et la terre s'humidifie toujours par le bas, par le goulot ouvert. C'est filtré, la terre ne se perd pas dans le bassin inférieur. Ici, on le remplit d'eau, l'eau est absorbée contre en haut, et la graine est plantée ici. Éventuellement, on peut mettre par-dessus encore un capuchon en pète pour protéger de trop de sécheresse. Et là, c'est la graine, la grosse graine ou bien la bouture qui peut être plantée. Et c'est protégé du vent, protégé des courants d'air. Cette terre va être toujours humide et la graine va aller chercher l'eau là où elle doit aller la chercher, c'est-à-dire le plus bas possible. La graine ne va pas se contenter d'eau d'un arrosage de surface. Elle va être obligée d'aller contre en bas là où l'eau arrive. Donc la montée d'eau et la racine issue de la graine vont se rencontrer au centre. Et le fait que ce soit du verre transparent, c'est la troisième perle de la découverte, empêche les racines d'arriver jusqu'à être visibles. Les racines ne sont jamais visibles dans ces systèmes, parce que les racines fuient la lumière comme étant très très néfastes. Les racines ne sont pas faites pour travailler à la lumière. Il reste toujours quelques limites, quelques millimètres en dessous de la surface visible de la terre dans la bouteille de PET inversée. Donc lorsque vous allez transplanter, vous avez uniquement qu'une simple fente en longueur à faire pour décoffrer votre système racinaire et le jeune plant. Vous décoffrez ça. Et vous faites un bon trou de plantation avec. Il propose du gravier au fond et aussi quelque chose d'assez graveleux, d'assez perméable en périphérie. Il met ce plant dans le trou de plantation. Et là, par cette opération, il n'y a absolument aucune blessure, puisqu'aucune racine n'est blessée. La plupart sont vraiment concentrées sur le bas. Et en arrosant maintenant latéralement, parce que le surplus de diamètre du trou de plantation par rapport à la motte racinaire permet la percolation d'eau en périphérie. C'est plus perméable ici qu'en dessus. Là, c'est presque fermé. L'eau pénètre en profondeur et on humidifie plutôt, on arrose, on enrichit en eau la partie inférieure. Donc, les racines continuent d'aller contre le bas. Et il y a des sites passionnants d'Emmanuel Roland où il montre des arbres absolument fabuleux après. Je ne sais pas si quelqu'un les a vus. En quelques années, il a plusieurs mètres, des noyaux de plusieurs mètres de haut. C'est absolument étonnant. Je n'ai jamais vu un succès pareil pour des plantations. C'est clair, vous n'avez pas 23 000 bouteilles de béton réserve à la cave. Mais en imaginant l'interaction avec les écoles, avec la population intéressée, malheureusement, beaucoup de gens sont obligés d'acheter de l'eau en bouteille parce que l'eau du réseau n'est peut-être pas très bonne. Là, on pourrait vraiment avoir une dynamique intéressante qui met en valeur en fait ce potentiel de bouteille et puis l'intérêt de planter. Donc voilà quelque chose d'intéressant qui soulève une dimension importante, c'est que l'agriculture, la foresterie doit renouer avec la population. C'est clair pour la foresterie urbaine, périurbaine, mais il faut qu'on retrouve un contact avec nos consommateurs. Et ça serait un vecteur positif. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette méthode. Qui est-ce qui connaissait la méthode? Vous connaissez ça déjà bien. Ça marche bien, hein? Pour bouturer, ouais. Ouais, je pense. Parce qu'en fait, oui. J'ai fait la haine en verger, principalement de la bouture, chez moi. Donc,
sont des récupérations du jardin que je cure et que je prends en gré. Et ça marche très très bien. Sachant que quand généralement je fais une culture au printemps et je laisse ça en attente jusqu'à temps que j'ai le temps d'en occuper, ils vont très bien résistants et ça peut être super. Après la complexité c'est la transplantation. C'est vrai. Je trouve qu'en fait au moment où on ouvre en général, ça se défait quand même. Ouais. Ça dépend du chevelu racinaire, s'il est très dense ou pas. Avec les boutures, peut-être moins. Mais... Oui, mais je ne trouve pas, c'est pas simple. Par contre, c'est effectivement facile, simple, rapide, rigolo et à la portée de n'importe quel enfant de l'enfant. Donc, c'est un côté. Oui, c'est didactique. Et avec ça, grâce à ça, c'est toujours un problème. Amener la forêt dans l'école, c'est difficile, c'est de la terre, c'est de la biomasse. Le jardinage dans l'école, c'est très bien, mais c'est pas facile pour tous les enseignants. Mais ici, vous avez une manière d'amener la forêt, les arbres dans l'école, tout en étant absolument hygiénique et propre, et sans problème, pas besoin de nettoyer autour. C'est vraiment instructif. Vous employez certains activateurs pour la réussite de la bouture, vous... Rien. Oui. Pas de poudre d'auxine ou comme ça, d'hormones. Oui. En fait, je récupère toutes les bouteilles dans les poubelles de les boutures dans le jardin, et puis la terre, entre le tas de terre et puis un sac de terreau, je fais un tas, je mélange un peu. On peut mélanger, améliorer un peu. Donc, effectivement, je pense un peu dans le terreau, un peu d'apport complémentaire, mais je pense que j'ai sous la main. Et je mets ça en caissette, je prends ça dans un coin du jardin. Quand j'arrose beaucoup à la plantation, après j'arrose quand j'y pense. Oui, en général, même en faisant ça de manière très légère, j'ai quand même à peu près 60 à 70% de réussite pour un truc qui est abandonné. Bon, c'est des boutures qui ont appris à. Principalement les boutures. Le cassis, le rosé. Bah, le cassis, le rosé. Sous la main, tous mes arbres c'est à faire du jardin tout à fait. Tout ce qui peut être du jardin. Donc, à part les viandes qui ne passent pas, voilà, c'est mon outil, un parc, tout ce qui est dans le sol, on sait. Très bien, merci. Alors, pour la chronobiologie des semis, je vais peut-être passer au chapitre autre que j'avais promis, si on peut voir encore si vous avez envie d'aborder ces sujets-là. Voilà, ça c'est un élément que je pense encore intéressant pour vous, c'est la question de provenance, date d'abattage. Surtout la provenance, quel type de forêt pour quel type de bois. Ça, je l'ai déjà mentionné, ces forêts naturelles où les essences sont vraiment dans leur optimum de croissance. Par exemple, les résineux, chez nous, ce n'est pas des essences de plaine. Là, c'est surtout les feuillus. Les résineux, c'est des essences de forêts, de zones subalpines, alpines. Et entre 900 et 1500, 2000 mètres, c'est là que vous avez des mélanges de forêts, épicéa, mélèze, pins de montagne, arôles. Parfois, c'est presque des peuplements purs d'épicéa, mais vraiment poussés naturellement. C'est leur manière, dans ces milieux-là aussi, de fonctionner presque en peuplement pur, mais ils sont naturellement multi-étages, ils ont tous les âges en même temps. Et ils sont en train d'occuper dans ces zones alpines. Ici, c'est presque que de l'épicéa. Il n'a jamais été planté. C'est de la régénération naturelle. C'est sur des éboulis, c'est sur des sols très difficiles. Et l'épicéa est vraiment chez lui, et concurrentiel par rapport à toutes les autres essences. Mais sinon, c'est souvent des mélanges. Et ces mélanges donnent des bois extrêmement intéressants, des mélèzes, des bois de pin, d'arôles. Comparativement à des bois de plantation de basse altitude, dans des sols trop riches en azote, comme on a dit avant, des arbres qui ont poussé trop vite. Et, ce qui est intéressant,
ils ont cette, ils sont aussi relativement noueux. Il faut vraiment les élaguer pour qu'ils soient tout à fait libres de nœuds. Ça ne donne pas les arbres avec les meilleurs bois. Et si on regarde un peu aux traditions de la construction de l'arc alpin, vous avez des bâtiments impressionnants, entièrement en bois, sauf l'étage de la cave, par exemple. Il y a du bois d'un bout à l'autre. Toutes les structures sont en bois porteuses, même les toits peuvent être en tavillon, en bardeau. Et ces bâtiments, les plus anciens datés, c'est du XVIIe siècle, 1650, par là autour, pour ceux où on peut lire une datation. Mais le plus ancien bâtiment en bois en Suisse, c'est un bâtiment de 1290, quelque chose comme ça. C'est combien 1200, c'est 800 ans et plus. Mais par exemple, on a employé des bois de la région immédiate, des bois de montagne, en respectant certains critères d'abattage. C'est uniquement des forêts naturelles, abattues selon la bonne époque, en tenant compte de règles ancestrales liées en particulier aux phases lunaires. Et ça, c'est intéressant. Les plus vieux bois utilisés en construction, j'ai lu, il faut que j'aille la voir, une porte de l'église de la cathédrale de Milan. Elle est de l'an 300 par là autour. Donc là, ça met pas mal en plus encore. Tous des bois utilisés en construction, mais les plus anciens, c'est probablement les plus anciens bois. Qui sont maintenus protégés, c'est ceux qu'on a retrouvés dans les pyramides d'Égypte. Là, c'est moins 2500. Mais il y a plus vieux que ça comme construction humaine, c'est les bois issus de constructions sur pilotis, les palafites. Là, vous avez des assemblages, vous avez des pieux, c'est toute une sylviculture qui a été faite à l'époque. Et là, ça remonte à plusieurs milliers d'années aussi, avant Jésus-Christ. Donc, on n'a pratiquement pas de limite de durabilité. Le plus ancien artefact, j'en parle dans le livre, c'est un pieu en bois que nos ancêtres, probablement Néandertal, ont employé, un pieu en if, s'il vous plaît, pas n'importe quel bois, a été employé pour tuer un mastodon. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. C'est une espèce d'éléphant qui vivait en Europe, qui a disparu depuis avant les glaciations. Et c'est autre chose qu'un mammouth, c'est une espèce. C'est entre le mammouth et. Ou bien c'est le nom latin du. C'est le mammouth, ça. Oui. Non, je crois que c'est l'espèce. C'est encore une autre espèce, une espèce d'éléphant qui vivait par ici. Mais genre mammouth, c'est clair. Et c'est 150 000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et ce pieu en if a été retrouvé avec le squelette de l'animal. C'était vraiment taillé de main d'homme et lancé par la main de l'homme. Voilà, ça c'est concernant la durabilité du bois. Et un but intéressant, c'est quand même d'obtenir de nouveau des bois qui sont carrément de l'os, qui sont indestructibles par méthode naturelle. On est un peu à la recherche de la perle précieuse, comme comment faire des cultures sous semis, des cultures sous couvert végétal, mais sans employer des pesticides ou bien des phytosanitaires, des herbants. Comment arriver à trouver ces solutions miracles? On a un peu les mêmes questions concernant le bois. Alors les constructions, c'est pas seulement du traditionnel genre chalet. Il y a des manières de sécher les bois pour les employer dans les mises en valeur les plus grandes, c'est l'instrument de musique par exemple, mais aussi ce genre de construction, pourquoi pas construire systématiquement. Et là on retrouve en fait ce qu'on disait concernant les chambres en arôles, les lits qui favorisent le sommeil. Ici il faudrait vraiment réfléchir. Les salles de classe qui sont favorables à moins de stress ou résister au stress chez les élèves, il faut pousser la réflexion aux hôpitaux. Pourquoi ne pas mettre des enveloppes intérieures aux hôpitaux en bois, bien les construire carrément en bois,
hôpitaux paille, bois et argile, etc. Ce serait certainement des hôpitaux extrêmement efficaces dans le soin aux malades. Mais on peut élargir la réflexion et se demander, mais est-ce qu'une écurie, est-ce qu'une ferme à volailles avec des structures en bois et des structures naturelles de ce genre-là, est-ce qu'elle ne se paye pas par économie de vétérinaire à un moment donné ? Puisque c'est tellement visible pour l'homme, faisons des observations et tenons les vaches dans des matériaux auxquels elles sont habituées depuis toute l'évolution. La vache n'a jamais été mise en contact avec le métal, ni avec le béton, ou la pierre ou le calcaire, mais le bois, la vache comme animal issu de la forêt, il y a peut-être quelque chose qui se passe en termes d'interaction positive. Ici, une image d'un élevage d'oies. Bien simplement un hangar à machines. Le bilan carbone d'un tel hangar est quand même intéressant. C'est du carbone stocké plutôt que du carbone émis si c'est des poutrelles en acier et des tôles uniquement. Pour l'habitat, la même chose. Ce qu'on a mentionné pour les salles, les classes, l'habitat privé, des structures, des restaurants par exemple, avec architecture où on peut même intégrer des bois à l'état brut. Il n'y a pas besoin d'avoir uniquement des poutres parfaitement rabotées. On peut travailler aussi avec le bois brut, qui est tout aussi durable. On en fait toutes les libertés dont on prend trop peu conscience. Et ça dégage toujours une atmosphère positive.